grâce Maintenant, à cette voilà, vidéo. tout le monde sera au courant de ce qui s'est réellement passé Tout et aura voilà, été dit. Et la séparation, parce qu'on est séparés, du coup, d'accord, on voilà. est vraiment séparés. Et je sais qu'il déteste quand je lui dis ça, il a du mal à se dire que mentalement, c'est pas du tout le type de garçon vers lesquels je suis attirée à la base. J'ai toujours été avec des mecs qui avaient pas d'argent, c'est moi qui payais tout. C'était moi la sugar mommy, hein, vraiment. Et j'ai un faux compte, des fois je le piste, j'avoue. C'est pas vrai. Bah, au début, je disais rien, mais à un moment donné, ça a commencé à me peser et ça a même joué sur mes sentiments. J'arrivais plus à me projeter avec lui, en fait. Et c'est ça qui est horrible, c'est que bah, c'est ma raison et mon cœur. Mon cœur l'aime encore, mais ma raison me dit, mais tu peux plus rester avec lui parce qu'il te tire vers le bas et ça te correspond plus, cette relation. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, bah finalement c'est une invitée rituelle maintenant. Parce vraiment, que le quotidien en fait. C'est ça, quoi. Tous les deux mois on se voit, mais à chaque fois ouais. il se passe quelque chose. Là c'est nouvelle Chloé, nouvelle c'est vie. C'est ça, exactement. Ça alors la dernière fois, c'est toi qui venais dans mon studio. Aujourd'hui c'est moi qui viens chez toi. Exactement. Hein. Tu m'invites justement Tout pour qu'on se fasse un gros point. Il y a besoin, parce je que pense. Là, il y a beaucoup de choses on qui me se sont passées. Des explications. C'est ça. On veut savoir, on veut savoir. Vous allez savoir, on se calme. Alors Chloé, déjà, comment est-ce que ça va? Ça va, ça pourrait aller mieux, ça pourrait aller pire, ça va. Dans l'ensemble, je suis hyper occupée en ce moment, donc honnêtement, j'ai pas trop le temps de me rendre compte de mon état général par ouais. rapport à tout ce qui se passe et tout. J'ai pas le temps de me retrouver moi et moi-même face à mes émotions. Mais dans l'ensemble, ça va, je suis pas en dépression, non, ça va. Alors justement, tu vas devoir nous expliquer pourquoi est-ce que t'es pas en dépression et ouais. nous, ce qu'on veut savoir, c'est tout ce qui s'est passé, parce que dans la dernière interview, t'étais encore en couple avec Jarod. Tout à fait. On sentait que c'était, il y avait quelques tensions. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, c'était vous tendu, étiez ensemble. Depuis Lille, c'était déjà tendu. D'accord. Mais la séparation, parce qu'on est séparés, du coup. D'accord, on voilà. On est vraiment séparés. La séparation, elle n'a rien à voir avec Lille de la tentation. C'est vraiment beaucoup plus personnel. C'est des problèmes plus profonds qu'il y avait dans notre couple qui étaient déjà installés avant, mais auxquels je ne me rendais pas forcément compte. Parce que bah, j'étais amoureuse, hein, et je le suis toujours, honnêtement. Hein. C'est un peu... D'accord, ok. Là, c'est vraiment moi, ma raison et mon cœur, en fait. Les deux qui se battent et je suis un petit peu en conflit interne. En conflit quoi. Interne, exactement. Du coup, bah, c'est des problèmes dans le sens où, bah, déjà, Jarod, il a 22 ans. C'est pas pour faire l'ancienne, hein, mais ouais, ouais. J'ai 24 ans et déjà, entre une femme et un homme, tu sens la différence de maturité. D'autant plus à nos âges, quand on est un peu en train de passer à l'âge adulte, mais toujours en étant jeune, quoi. Et c'est marrant que tu dises ça parce que c'était justement un commentaire que j'avais relevé sur TikTok dans les commentaires qui est en dessous des ouais. vidéos. C'était « Il faut pas oublier que le gars est hyper jeune et la différence d'âge se fait vraiment ressentir dans ce couple. Ben, » Alors que finalement, il n'y a pas une si grosse différence. C'est ce que j'allais te dire. Beaucoup de personnes nous disent ça à chaque fois. « Oui, ça se voit que vous avez une différence d'âge. Non, mais il y a une différence de maturité entre les deux. » Mais en fait, on n'a qu'un an et demi d'écart. Et moi, je ressens qu'il y a une différence de maturité sur certains points. Je ne dis pas que c'est un bébé sur tous les points. On peut quand même faire des choses. C'est mon premier copain avec qui j'ai pris un appartement. Enfin, il s'est passé plein de choses avec lui. Mais en termes de sentiments, de gestion de l'amour et de la relation, on sent qu'il y a un écart et qu'il y a une différence de maturité. Et je sais qu'il déteste quand je lui dis ça. Il a du mal à se dire qu'il n'est pas mature. Okay. Mais moi, je le ressens comme points. Ça. Voilà. Sur certains points, pas exactement. Sur tous. Donc, non, en fait, moi, dans mon couple, le plus gros problème, c'est que je gérais un peu tout, en fait. Je okay. gérais tout, que ce soit les sorties, financièrement parlant, pour les trucs importants, pour les appartements, pour les vacances, pour ci, pour ça. C'est moi qui gérais un peu tout, qui prenais les devants, les initiatives. Et au début de la relation, c'était un peu les red flags qui me dérangeaient, mais que j'avais passé outre parce que je l'aimais, que ça se passait bien, on s'entendait bien, on rigolait bien, enfin, on s'entendait sur pas mal de points. Et c'est vrai que j'ai un peu fait une obsession pour lui dès le début, alors que de base, on est hyper différents et c'est pas du tout le type de garçon, pas physiquement, mais mentalement, c'est pas du tout le type de garçon vers lesquels je suis attirée à la base. D'accord. Tu veux des gens plus posés? Pas forcément plus posés, mais en termes de, par exemple, de musique, de sorties, on ne sort pas dans les mêmes endroits, on n'a pas les mêmes groupes d'amis, enfin, on est hyper différents sur plein de choses. Et après, c'était pas désagréable parce que moi, j'apprenais, lui, il apprenait, enfin, ça nous faisait découvrir des univers un peu différents. Mais du coup, après, ça s'est un peu fait ressentir dans le sens où, bah, voilà, déjà la maturité, parce que moi, je prenais toutes les initiatives et tout, et à un moment donné, ça commence à être pesant pour moi de devoir tout payer, tout gérer, c'est moi qui mais devais... Mais c'était un peu... Quand tu dis tout payer, c'est genre... Tu l'entretenais? Alors, il me payait le loyer avec moi, okay. ça oui. Enfin, le minimum syndical, quoi. Il payait le loyer avec moi et les courses au début du mois. Mais après, c'est vrai que moi, je l'ai fait venir à Fréjus, alors que lui, de base, il habite vers Nice. Ok, d'accord. Et vers Nice, il trouvait plus de travail. Enfin, il avait un peu son petit monde. Et c'est vrai qu'en venant ici, c'était un petit peu plus compliqué pour lui de retrouver du travail et tout. Et ça l'a empêché pas mal de se redévelopper dans le milieu professionnel, dans son milieu professionnel.
Donc, c'est pour ça que j'avais des espoirs que ça change, etc. Que voilà, au bout de quelques temps, il allait se refaire. Voilà. Et pour moi, c'était pas un souci. Moi, quand j'aime, je compte vraiment pas. Mais ça faisait quand même un an et demi qu'on était ensemble, dont peut-être 8 mois, voire plus, même 10 mois qu'on habitait ensemble. Et il n'y avait pas d'évolution financière. Pourtant, je suis pas du tout quelqu'un de matérialiste, hein, vraiment pas. J'ai toujours été avec des mecs qui n'avaient pas d'argent, c'est moi qui payais tout. C'était moi la sugar mommy, hein, vraiment. Mais voilà, ça commence à être beaucoup trop présent dans le couple. Ça a commencé à me ronger l'esprit. Je pensais à ça tout le temps. Comment on va faire? J'arrivais plus à me projeter. J'arrivais même plus à me dire, bah, on va pouvoir partir en vacances parce que finalement, j'assumais un peu tout pour deux. Mm-hmm. Même si, voilà, il payait quand même le loyer, les courses et tout. Mais voilà, après tout ce qui était... Il payait l'essentiel, entre guillemets. L'essentiel, exactement. Mais dès qu'on voulait faire un peu plus, bah, c'était toujours un peu restreint. C'était compliqué, quoi. Après, je sais que s'il avait eu plus d'argent en travaillant et tout, il était hyper généreux, c'était pas ça le problème. C'était juste vraiment qu'il avait du mal à s'en sortir et tout. Et bah, au début, je disais rien, mais à un moment donné, ça a commencé à me peser et ça a même joué sur mes sentiments. J'arrivais plus à me projeter avec lui, j'arrivais plus à me dire que c'était l'homme avec lequel j'allais finir ma vie. On n'arrivait plus à avoir de projet. Enfin, c'était impossible pour moi de me dire, bah, demain, on va acheter une maison ou même un voyage, c'était compliqué. Donc, d'accord, ok. Franchement, ça a pesé sur plein de points et j'ai pas envie de remettre la faute entièrement sur ça, mais ça a fait au moins 70% de la rupture, je pense. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord. Donc voilà. Après, je dis pas, j'ai aussi mes défauts que lui, il a réussi à supporter. Je suis pas facile à vivre, j'ai un caractère un petit peu explosif. Enfin voilà, je suis souvent dans la reproche et tout, mais vu qu'il y avait ce problème, ben moi du coup, j'arrivais plus à faire d'efforts en fait. Même quand il faisait des efforts sur la fin, qu'il avait réussi, c'est vrai, à trouver un travail, il a acheté sa voiture et tout, j'arrivais même plus à. J'avais tellement encaissé que. Même les efforts, j'arrivais plus à les accepter. Pour toi, ça donnait entre guillemets un truc normal parce qu'il y avait tellement d'arriérés que du coup, il payait un peu seulement les arriérés. Quoi. On n'était pas encore en train d'avancer. Quoi. Tout à fait, c'est exactement ça en fait. Et du coup, bah, ça a trop pesé. Même sur mes sentiments, ça a impacté. Quoi. Et alors, donc du coup, bon, 70% là-dessus. Les 30 autres pourcents. Les 30 autres pourcents, bah, je dirais que c'est vrai qu'on s'engueulait beaucoup avec Jarod. Pour tout et pour rien, c'était pas forcément des trucs graves, mais c'est vrai qu'au moindre désaccord, bon, moi j'ai tendance à pas avoir ma langue dans ma poche, donc dès qu'il y a un truc qui va pas, je lui dis direct, j'arrive pas à prendre sur moi et me dire bon, ça passera, arrête de faire un chichi pour rien. C'est vrai que ça, c'est mon défaut aussi, c'est que voilà, je suis souvent dans la reproche, dès qu'il y a un truc qui me saoule en fait, donc notamment ça, là, les 70% qui me saoulaient, qui étaient présents constamment dans ma tête. Bah, du coup, j'arrivais plus à être agréable, je lui faisais sans cesse des reproches. Dès qu'il y avait un truc qui allait pas, je me sentais obligée de lui dire « là, ça me saoule ce que tu fais ». Enfin voilà, j'étais vraiment dans la reproche et c'est vrai que ça a un petit peu pollué notre couple, tout ça. Et bah, du coup, on partageait plus rien. On partageait plus rien, plus de sorties, plus de restos, plus de moments intimes. Enfin voilà, plus... Ah oui, d'accord, carrément... Tout colloque. Était stoppé, quoi. Colloque, d'accord. Quoi. Pourtant, il y avait de l'amour. En vrai, avec Jarod, on sait qu'on s'aime, genre il y a quand même un amour de ouf. Là, je raconte les problèmes, il y a quand même des bons moments. Oui, non, mais c'est clair. On a passé 80% de notre relation où c'était beau, on avait un amour de ouf, j'ai jamais autant aimé quelqu'un de toute ma vie. Mais voilà, malheureusement, il n'y a pas que l'amour dans la vie et j'essaye de penser à moi et à mon bien futur, en fait. Et c'est ça qui est horrible, c'est que bah, c'est ma raison et mon cœur. Mon cœur l'aime encore, mais ma raison me dit, mais tu peux plus rester avec lui parce qu'il te tire vers le bas et ça ne te correspond plus, cette relation. Et tu penses que tu pourrais, entre guillemets, plus écouter ton cœur à un moment ou... Mais les sentiments, c'est tellement important que... Enfin, je sais que si je vais le revoir ou quoi, je risque de craquer. On s'est déjà revus. D'accord. Ouais, on s'est déjà revus. C'était pas prévu. Il devait venir réparer ma lumière et bon, c'est... Voilà. Surprise. Oups. Ouais, il devait juste venir réparer une lumière et bah, enfin, quand on se retrouve, on oublie un peu les problèmes vu qu'on s'aime. Ouais, ouais. Enfin, voilà, on se voit, on rigole. Enfin, on s'aime tellement que c'est un peu plus fort que nous. Mais la raison, moi, elle reprend vite le dessus et elle me dit... Même si, par exemple, là, tu l'as embrassé ou tu l'as vu, ça peut pas repartir. Enfin, si tu as pris cette décision et tu sentais au plus profond de toi que cette décision, c'était la bonne, tu peux pas faire marche arrière, ça sera juste reculer pour mieux sauter, finalement. Ouais, donc... Je sais que pour mon bien-être, je sais que je vais finir par souffrir, en fait, dans cette relation, et je préfère que ça se termine comme ça, en bon terme, plutôt que de continuer et que je finisse par le détester et lui faire des reproches à longueur de journée, le critiquer et tout, et qu'on s'insulte, que enfin, je connais très bien ce genre de fin et j'ai pas envie que ça soit comme ça. Mais alors depuis que vous êtes en break, vous vous êtes revus et il y a eu des... Une fois. Ok, il y a eu un petit dérapage du coup, un c'est ça? Un petit dérapage, ouais. Ok.
Mais du c'était coup... C'était là, il y a quelques temps. Mais sinon, d'accord. jusqu'ici, il n'y avait eu aucun dérapage. J'étais fixée sur mes décisions. Lui, il a eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter ce choix. Parce que du coup, c'est ton choix. Ouais, c'est mon choix. Pour lui, c'était hyper radical. Lui, il ne pensait pas du tout que j'allais le quitter. Enfin, je lui avais déjà dit plusieurs fois, va falloir que tu te bouges le cul et tout, parce que moi, j'en ai marre de tout assumer. J'en ai marre que ce soit moi qui prenne l'initiative. Et il l'avait pris au sérieux. Il l'avait vraiment pris au sérieux. Il essayait de s'en sortir et tout. Malheureusement, trop tard. D'accord. Et c'est vrai que moi, je suis pas franchement dans la communication sur ce genre de choses. Je me dis, ça va s'arranger tout seul. Okay, j'en parle ouais. un petit peu, mais pas en mode vraiment sérieux. Allez, bouge-toi, donc, pas. En gros, quand tu lui as dit, c'était déjà trop tard en vrai. Non, c'était pas trop tard, mais je lui ai pas dit sur un ton dans le sens où si tu le fais pas, je vais vraiment en prendre la fuite. D'accord, donc ok. lui, il l'a peut-être trop pris à la légère. Ok. Mais du coup, quand il a commencé à se bouger, ouais, c'était trop tard. Et du coup, quand je lui ai dit que c'était vraiment fini, il a halluciné. Il comprenait pas. Enfin, vraiment, crise d'eczéma. Il était Ah vraiment ouais? dans le mal. Il avait des plaques d'eczéma partout sur les bras et tout. Enfin, genre, j'ai vraiment vu que ça l'avait hyper touché, qu'il était dans le mal comme jamais. Je l'avais jamais vu comme ça. Et ça m'a fait trop de peine et tout. Et du coup, lui, il est parti. Moi, du coup, je me suis retrouvée en coloc avec Kelly quelques jours après. Parce que du coup, j'ai annoncé à Oui, Kelly. forcément. Voilà. Hein. C'est moi qui ai annoncé à C'est Kelly exactement ça. les péripéties d'Enzo. Mais du coup, à ce moment-là, donc Jarod était déjà parti de notre appartement. Et du coup, moi, je me suis mis directement en colocation avec Kelly. Et du coup, je pouvais plus faire marche arrière, en fait. Ouais. Je pouvais plus dire à Jarod de revenir, je pouvais pas mettre Kelly à la porte. Et du coup, c'est ça qui m'a fait aussi pas recraquer, on va dire. D'accord, Je ok. pense que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais peut-être eu moyen que je recraque. Mais là, je me dis, c'est la vie qui a voulu ça, en fait. Mais c'est un peu ce que Kelly aussi disait, c'est que finalement, si t'avais pas été là, peut-être qu'elle aurait pu aussi. Ouais, voilà. Peut-être Ça pas se aurait été. remettre avec, Voilà. mais peut-être recraquer, rendre les choses un peu plus toxiques, quoi. Et en fait, ça nous aide d'être toutes les deux parce que du coup, on se soutient, on est un peu dans la même phase. Bon, c'est pas les mêmes histoires, mais célibataire au même moment. Donc on essaye de s'entraider, de se dire il faut pas recraquer. Si on a pris ces décisions, c'est pas pour rien, il y a des réelles raisons derrière. Donc voilà, c'est bien qu'on soit toutes les deux, on se motive. Et c'est d'ailleurs assez drôle puisque finalement vous étiez entre guillemets les deux couples les plus solides de l'île. Et Exactement. finalement aujourd'hui vous êtes les deux Les célibataires deux ensemble célibataires quoi. en même temps en plus, alors que vraiment on était les seuls couples où il n'y avait pas eu de tromperie, quoi. Et au final, non. Et comment tu l'as vécu ça justement alors quand tu as dû expliquer à Kelly en fait ce que Enzo avait fait? Mais moi, je l'ai trop mal vécu parce que déjà, je le savais depuis 2 semaines ce qu'il avait fait, 2, 3 semaines même, hein. Et Enzo me promettait qu'il allait le dire à Kelly et tout. Et comme c'est son couple et moi, je voulais pas m'interférer entre deux, je voulais pas foutre la merde non plus. Je gardais tout pour moi et je me suis dit, il va finir par lui dire, c'est son couple, c'est à lui de le dire, il n'y a aucun problème avec ça. Et du coup, pendant tout ce temps, moi, je portais le poids sur les épaules, je voyais Kelly avec Enzo et tout, je me disais, purée, mais moi, je sais ça, et elle est comme ça avec Enzo, tout. Enfin, ça, franchement, en plus, moi, je suis tellement loyale en amitié, mais vraiment autant en amour qu'en amitié. Et à un moment donné, j'ai pris Enzo pour la troisième fois, je pense, je lui ai dit, Enzo, s'il te plaît, là, va vraiment falloir que tu lui dises parce que je vais lui balancer, quoi. Je vais lui dire, promis et tout. Et un jour, Kelly, elle m'invite à manger chez elle et il n'y avait pas Enzo. C'était une des rares fois où je la voyais sans Enzo. Et je me suis dit, je vais tout lui C'est le dire. moment, C'est le quoi. moment, là. Je suis en train de manger chez elle, dans son appartement. Il n'y a Ouais. pas Enzo. Enfin, je veux dire, je peux plus garder ça pour moi. À un moment donné, c'est trop, je lui dis. Et je lui ai tout dit et elle l'a quitté. Ça n'a pas manqué, hein. Oui, c'est Ouais. clair. Bon, heureusement que tu étais là pour le coup. Que j'étais présente à cette soirée, ouais. Ouais, c'est Ça veut ça. dire qu'elle l'aurait jamais su. Sinon, après Bah ça, oui, c'est là, un peu j'étais là l'idée. par chance, on va dire. Donc, je l'ai vue, mais je sais pas s'il s'est passé d'autres trucs pendant que moi, j'étais pas là après. Voilà. Et toi, dans ton couple, il n'y a jamais eu, par contre, de tromperie et tout, c'est vraiment... Non, il n'y a jamais eu de tromperie, ouais. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui trompe et tout. Après, il y a eu des petits mensonges. Il y a eu des mensonges de sa part. Mais c'était pas de la tromperie à proprement parler, quoi. C'était des C'est-à-dire... cachotteries, en fait, plutôt. Au début qu'on était ensemble, il m'avait dit qu'il avait une meilleure amie. Et en fait, sa meilleure amie, peut-être un mois avant qu'on se mette ensemble, il s'était passé des trucs, ils étaient en bail, quoi. C'était pas du D'accord, tout sa meilleure amie en ok. fait. Ok, C'était une d'accord. meuf avec qui il s'était passé des trucs limite presque couple, quoi. Ah oui. Alors qu'en plus, moi je m'entendais hyper bien avec elle. Enfin, je m'entends toujours bien avec elle, quoi. Mais bon, il m'avait caché ça et du Ah coup, ça a un ouais. peu altéré ma confiance et c'est pour ça que je suis Ouais, devenue dès un le peu plus début, c'est chiante, quoi. compliqué, Ouais, quoi, dès le aussi. début, ouais. Surtout que moi à la base, je suis pas du tout quelqu'un de jaloux. Je fais hyper confiance, je laisse sortir. T'as le droit d'avoir des potes filles, t'as une meilleure amie, y a pas de souci. Si je la sens, y a pas de Ouais, souci. si je l'ai Si je la sens pas, par contre, ça c'est certifié, c'est bon. compliqué. Mais voilà, du coup, ça a créé un petit peu de jalousie dès le début, enfin un manque de confiance dès le début. Donc c'est vrai que j'étais un peu plus sur ses côtes que prévu. Mais Ça peut se voilà, comprendre c'est à aussi, cause de... quoi. Ouais, ça... Et en plus, il m'a menti sur cette fille, mais il m'avait menti sur une autre fille, pareil, une meuf, il m'avait dit que c'était sa pote, il allait à la salle avec elle et tout, position de salle et tout.
Mais elle, je la trouvais déjà chelou dès le départ. Ok. Et au final, c'était pas du tout sa pote. J'ai remonté des messages, il s'était passé des trucs. Enfin. Ah ouais. Voilà. En fait, il aimait trop me faire passer ses ex-bails pour ses potes, quoi. Pour ses potes, ouais. Quoi. Trop de copines, là. Ouais, genre, il faut arrêter les copines, quoi. Surtout que moi, je tolère les copines, y a pas de souci. Mais quand je vois des trucs comme ça, après, c'est impossible. Ouais. Plus de copines filles. Mais alors, aujourd'hui, t'es dans quelle démarche vis-à-vis de lui? Bah là, je vais essayer de me retrouver. Alors, j'avoue que des fois, c'est difficile. J'ai envie de lui envoyer des messages et tout. Je pense à lui. Mais j'essaye au maximum de me concentrer sur moi, sur mes projets, de me refaire, vraiment de penser à mon bonheur, à mon bien-être, professionnellement parlant, pareil, de penser à moi, de dépenser mes sous pour moi, de même de voyager. Parce que là, ça fait depuis qu'on est ensemble, on n'a pas voyagé, mis à part le Mexique. Oui, pour l'île, quoi, du coup. Pour l'île de la Tentation. Mais on n'a pas voyagé, donc je vais essayer de revoyager, de me refaire professionnellement parlant, de continuer le mannequinat à fond, voilà, de vraiment penser à moi en fait. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas été célibataire. Moi, je me suis toujours recasée assez vite. Et donc là, j'ai envie de vraiment profiter, quoi. De profiter. C'est ce que j'allais te dire aussi dans tes stories. On voit que tu es beaucoup plus libre, entre guillemets. Ah bah oui, forcément. On voit que tu poses beaucoup plus d'activités, de sorties. Ouais, ouais, bah ouais. Du coup, tout ce qu'on faisait plus, je le fais parce que j'ai envie de penser à moi, quoi. Et après aussi, j'avoue que sortir, ça me fait un peu oublier la situation. Ça me fait moins penser à lui. Et du coup, bah, je sors tout le temps. Pour oublier, quoi. En même temps, après, oui, t'es un peu obligé. Ouais, ouais, de ouf. Et puis même, là, je suis avec Ellie, c'est l'été, on a besoin aussi de faire des choses ensemble, de sortir, ça nous fait oublier. Puis même, on s'amuse, on rencontre du monde, franchement, ça nous fait trop du bien. Et alors, justement, dans vos rencontres, on a vu que t'avais fait des stories avec Greg et Alex. Ouais. Alors ça, surprise finalement. Ça, vraiment mythique. W9 se retrouve, mais non, on s'y attendait pas pour le ouais, coup. Non, ça c'était un sketch ça aussi. Bah, en fait, à la base, on a rencontré Greg à Cannes. Pendant le festival de Cannes, on était au Médusa dans une boîte. Ok. Et on est tombé sur Greg et à ce moment-là, Kelly était encore avec Enzo. Et Enzo avait déjà rencontré Greg à Paris, il me semble. Et du coup, bah, on est vite fait allé à sa table, on a papoté. Et au final, on a passé la fin de soirée tous ensemble. Et bah lui, il devait aller sur une plage privée vers chez lui. Le lendemain, il nous a proposé. Donc, on est allé avec lui. C'est là où on a vu Alex, du coup. Ok, d'accord. Et on s'est hyper bien entendu. On a trop rigolé. Forcément, on parlait un petit peu télé. Ouais, rigolé entre nous. Enfin, c'était trop, trop drôle. Ils sont hyper sympas. Et du coup, bah, après, on s'est revus. Ils nous avaient proposé de refaire une soirée avec eux. Et toujours aussi cool. Genre, vraiment, on s'entendait tous trop bien. Alex, trop gentil aussi. Et alors là, l'univers de la télé, finalement, est-ce que tu as fait d'autres connaissances après? Parce que... on va pas se mentir, t'étais la petite nouvelle du milieu. Ah ouais, ouais, bah tu oui. Débarques, et là maintenant que t'es célibataire, je suppose qu'il y en a qui doivent être très contents que tu sois célibataire. C'est possible, ouais. Ben moi, après des mecs de télé, non, j'ai pas parlé à des mecs de télé. Il y a juste Vivian qui m'avait envoyé des messages pour savoir comment ça s'est passé mon émission, comment j'avais vécu le truc et tout, très gentil. D'accord. Mais à ce moment-là, j'étais encore avec Jarod. Et après ça non, je parle à Cassandra aussi de temps en temps, on s'écrit, on se parle, on se complimente, voilà, truc de fille quoi. Cassandra spécialiste de relations compliquées, ah là, donc en Cassandra, plus Cassandra, je pense que elle peut comprendre, c'est peu clair. Importe ce qui se passera, elle va comprendre. Peut te alors donner elle, plein de conseils. Ah non mais c'est sûr, conseils je sais pas. Je sais pas si c'est des bons conseils, mais en tout cas c'est sûr qu'elle peut comprendre. Ouais, ça c'est sûr. Et alors aujourd'hui, est-ce que tu regrettes, parce que sur l'île par exemple, on a vu que t'étais très en retrait. Ouais. T'étais assez discrète et tout, alors que là tu nous dis, tu vois, que t'es très explosive et tout, et alors que c'est pas du tout l'image au final qu'on a eu de toi sur l'île. Ouais, Est-ce que tu regrettes un peu, sachant ta situation aujourd'hui? Alors, est-ce que tu l'aurais fait différemment? Pas ce que j'ai fait, parce que Jarod, c'est vraiment une personne que je respecte, malgré le fait qu'on soit plus ensemble et tout. Il m'a pas trompé, il m'a pas fait carnage dans notre relation, donc franchement, je le respecte et je regrette pas ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je le ferais de la même manière. Après, en retrait, oui, parce que bah, moi, forcément, je pensais à lui. Moi, je suis quelqu'un d'hyper fidèle en amour, donc je comptais pas faire bordel en termes de mec, en tout oui, cas. Oui, c'est clair. Après, c'est vrai que si j'avais peut-être pu un peu plus être sociable avec les mecs, peut-être plus rigoler et tout, en restant dans le respect, peut-être que je l'aurais fait. Mais en tout cas, je regrette pas du tout la manière dont j'ai été dans l'émission. C'était vraiment moi quand je suis en couple comme ça. Après, la Chloé célibataire, c'est autre chose. Ah ouais, ça, oui, c'est sûr, la Chloé célibataire, c'est autre chose. Hein. Quand on est en couple et qu'on est célibataire, c'est toujours différent. On est beaucoup clair. Plus sociable, on est avenant, on va parler au mec sans se dire « Ah bah non, je dois décompter à lui, donc je peux pas faire ça. » Donc c'est vraiment libre, quoi. D'ailleurs... j'ai proposé au public de te poser des questions et il y a pas mal de questions qui sont revenues sur le fait que maintenant que tu es célibataire, est-ce que tu as eu un message de Dylan? Non, j'ai pas eu de message. Après, on s'est recroisé plusieurs fois. D'accord. Ouais, on s'est recroisé plusieurs fois dans des soirées et tout, et on s'entend toujours aussi bien, on rigole et tout. On va juste recontextualiser. Dylan, c'était ton tentateur entre guillemets. Avec qui j'ai fait un peu l'aventure.
Bah non, par contre, on s'est re-suivis sur les réseaux. C'est moi qui l'ai re-suivi parce que Jarod, il voulait pas que je le suive. Enfin, que je le suive. Je suivais tous les Ouais. tentateurs, mais sauf lui. Mais bon, là, du coup, pour moi, même, il n'y a rien. Hein, mais je l'ai re-suivi et lui, du coup, il m'a suivi en retour aussi. Et on se recroise, on rigole bien quand on se recroise et tout. Mais après, ça s'arrête là. D'accord, Ouais. ok. Tu te verrais pas. Est-ce que tu pourrais, toi, potentiellement, te dire réavoir une histoire avec quelqu'un qui est en télé ou les mecs de télé, ça t'intéresse pas? Ah oui, moi, ça me dérange pas parce que bah, je pense qu'ils ont un cœur comme les autres. Et oui, c'est sûr que c'est un train de vie un peu différent d'un mec qui a jamais fait de télé et qui est pas connu. Mais en vrai, ça me dérange pas du tout. Hein. Moi, j'en ai fait aussi. Donc, enfin, j'ai fait une télé, mais j'en ai fait Ouais. aussi. Donc non, ça me dérange pas du T'aimerais tout. en refaire? Ouais, honnêtement, ouais. Moi, pour moi, c'était vraiment une belle expérience. Je l'ai hyper bien vécu. J'ai fait des rencontres de ouf. Enfin, c'était vraiment inoubliable. Donc si c'était, enfin, si je pourrais refaire une télé, j'en referais une. Et alors, la question que je me posais aussi, c'est pourquoi est-ce que tu as été aussi discrète finalement sur tes réseaux par rapport à ta rupture? Parce qu'on le voit, tu t'es pas étalée. Bah ouais. Pareil, à l'inverse de Kelly qui a eu besoin de tout dire, toi, Mmh. tu as été très discrète. Bah alors moi je suis un peu en retrait par rapport à mes émotions et puis même je savais pas, je voulais pas dire à tout le monde je suis plus avec Jarod et tout et puis me dire bah s'il faut dans 5 jours je me remets avec, j'ai pas envie de passer pour une meuf qui sait pas ce qu'elle veut. Mais après je m'étais dit que j'allais sûrement faire une vidéo explicative quand c'était vraiment vraiment sûr que je sois plus avec lui, j'allais faire une vidéo explicative pour un peu éclaircir tout le monde parce que c'est vrai que je recevais pas mal de questions. Mais je ressentais pas ce besoin d'étaler mon couple et nos problèmes, même vis-à-vis de Jarod, je sais qu'il n'est pas trop comme ça. Enfin, moi, ça m'aurait pas dérangé, mais je sais que lui, il n'avait pas forcément envie d'étaler tous nos problèmes au vu des gens. Ouais. Enfin, que je dise que sa situation financière ou dans notre couple qui prenait pas assez d'initiatives, ça aurait peut-être été rabaissant pour lui, donc j'avais Ouais. pas envie de le faire. Mais bon, après, je me dis, après tout, c'est la raison de notre rupture. Les gens, ils ont suivi notre couple, donc ils se doivent aussi de savoir un petit peu pourquoi on est plus ensemble, Bah quoi. oui, parce que c'est aussi pour ça que dans les questions du public, il y avait beaucoup de questions à savoir, est-elle toujours en couple avec Jarod? Parce Ouais, que bah, les j'étais gens se pas posent très la question, claire, parce qu'en ouais. vrai, tu avais fait qu'une seule story. J'ai fait une seule story, ouais. Et je Donc, l'ai faite parce que Aquababe nous a mis ouais. dans sa story, sinon je l'aurais sûrement pas faite. D'accord, Après, je ok. me suis dit, je ferai quand même sur TikTok une vidéo explicative en disant bah, voilà, quelques raisons sans rentrer trop dans les détails. Mais je comptais faire une vidéo sur TikTok pour expliquer tout ça. Ouais, parce que finalement, même si lui, il n'est pas pour, votre couple, il a été médiatisé, donc les gens continuent à se Mais oui, poser tout des à questions et vous fait. suivent Oui, et... oui, oui. Et puis je trouve que c'est bien aussi pour toutes les personnes qui nous suivaient, qui nous aimaient bien et tout, de leur donner quand même un peu des réponses à leurs questions. Je trouvais ça quand même légitime. Donc je comptais bien faire une vidéo pour leur expliquer tout ça. Et quel conseil aujourd'hui tu donnerais bah, justement à des filles qui peuvent être dans ta position, tu vois, qui sont avec leurs copains mais qui se sentent un peu mal ou un peu restreintes entre Ouais. guillemets? Bah alors moi, si j'ai un conseil à donner, c'est déjà, il faut communiquer. Moi, c'est des conseils que je donne, mais que j'applique pas. Mais Voilà. faites-le vraiment, communiquer avant que ce soit trop tard, avant que les sentiments ne soient plus là, que la flamme soit éteinte. Et surtout, faut bien s'exprimer et bien faire comprendre. Faut pas survoler le sujet, il faut vraiment rentrer dans le vif et dire, bon bah voilà, là, si tu fais pas ça, moi, ça va pas aller. Communiquer, et puis après, si la personne n'arrive pas à vous donner ce que vous avez besoin dans le couple, ben, commencez à prendre ses distances et faire son deuil de la relation et se dire que tu mérites mieux et que tu peux avoir mieux, quoi. Ouais, mais Surtout. et ça reste pour autant difficile, quoi. Parce qu'on le Ah voit oui. même pour toi au Ah final, oui, bah oui. qui a Ça. réussi à passer toutes ces Ouais, mais il faut étapes. un mental de malade hein, pour faire ça. Enfin, pour quitter une personne que t'aimes juste parce que tu te dis bah, la relation elle est vouée à l'échec, ça me tire vers le bas et je vais pas avancer avec cette personne, c'est un truc de malade de réussir à la quitter alors que tu l'aimes encore. Enfin, Ouais. vraiment, c'est encore pire que si la personne te quittait parce que c'est toi qui dois prendre la décision et c'est ton choix, genre, et c'est comme ça alors que tu l'aimes. Et tu penses qu'avec le temps, potentiellement, s'il grandit, entre guillemets, pas en taille, parce que ce sera compliqué, Ouais, là, mais c'est bon, il a atteint son quota, là. là, le summum, mais sur le reste, sur les autres aspects, s'il grandit, tu penses qu'il pourrait y avoir quelque chose ou... Ben, moi, le problème, c'est que... Ça va être horrible, ce que je vais dire. Mais le problème, c'est que moi, j'oublie vite les gens. Ah ouais? Ouais. Genre, c'est Quoi? hyper fort au début et tout, mais après, une fois que je me suis mis en tête qu'il fallait que j'oublie la personne, que c'est bon, genre, je l'ai enlevé des réseaux et tout... Après, le processus, il se fait assez rapidement, donc j'oublie vite les gens. Donc je me dis, si le mec, il s'est réveillé dans 6 mois et que dans 6 mois, ça y est, il est en place, ben moi, je serais sûrement passée à autre chose, quoi. Enfin, et puis D'accord. même, rien que me dire, bon, bah, il aura couché avec d'autres filles, il serait allé voir ailleurs et tout, et là, on se remet ensemble parce que ça y est, il est de nouveau bien dans sa situation. Non, je pourrais pas. D'accord. Vraiment, je pourrais pas. Si j'ai décidé que c'était fini, c'est que c'est fini. Et est-ce que Lille, au final, ça a été un des déclencheurs aussi, peut-être de bah, ces 12 jours, de prendre du recul sur ta situation et de te dire,
Ouais, j'ai le temps de m'analyser, de me recentrer sur moi-même et c'est des choses qu'on fait pas forcément Ouais, quand on est à deux, bien quoi. sûr, ouais. Bah, je pense pas que Lille ça a impacté notre couple. Bon, oui, il y a eu des disputes par rapport à ça et tout, mais je pense pas que ce soit l'origine de la rupture. Non, Non, vraiment, mais je veux c'est. dire le temps de prendre du temps pour toi, du coup, et de te recentrer et de repenser à toi et peut-être de faire une analyse aussi, parce que Oui, quand après, oui, t'étais c'est là-bas, sûr t'avais que que. ça à faire, en Ouais, c'est vrai. sûr que là, pendant ces. Bah, c'était. On n'avait jamais été séparés aussi longtemps. Donc, oui, c'est sûr que là, j'ai vraiment pensé à moi et j'aurais sûrement pas pensé à moi autant que là-bas en n'ayant pas fait l'émission. Mais ça, oui, c'est sûr, ça m'a Ouais. permis de bien me recentrer sur moi et je pense que ça m'a permis aussi de bien réfléchir à la situation. Ça, oui. Et alors aujourd'hui, justement, on a vu que tu veux reposter des stories aussi avec Maeva. Oui, tout à Alors, fait. vous êtes en contact? Oui, on a jamais, enfin, on a toujours été en contact, on n'a jamais coupé les liens et tout qu'on avait, mais c'est vrai que, bon, elle est sur Nice, on est à 1 heure de route. Moi, j'habite plutôt du côté de Cannes, enfin, entre Cannes et Saint-Tropez, donc faire la route et tout, c'est un peu compliqué. Elle est occupée dans sa vie, moi aussi, mais on s'appelle tout le temps. Dès qu'on a du nouveau dans nos vies amoureuses, on s'appelle. Ah Enfin, bah là, il y voilà. avait de quoi lui Ah raconter ben au là, final. franchement, oui. Et là, on a fait une sortie ensemble, donc on s'est revus, ça nous a fait trop plaisir, mais oui, là, elle est au courant de tout, direct. Dès qu'il y a un nouveau truc, elle est au courant, quoi. Ouais, parce que c'est assez drôle finalement, vous étiez avec Kelly les deux couples les plus solides. Ouais. Et elle, qui était venue en couple, qui est repartie avec un tentateur, Celle qui est la finalement, plus tout posée au s'inverse. final. Voilà, c'est ça quoi. Ouais, C'est ce qui est assez drôle. c'est la plus stable maintenant avec Malek, ils sont love to love. Et nous qui étions, enfin, on était censés être les couples les plus stables, ben, au final, pas du tout. On est en coloc ensemble, enfin, Finalement. on est en coloc, il n'y a rien qui va, on fait que sortir. Enfin, on fait que sortir. On travaille aussi quand même, hein, Ouais. on a des projets, mais voilà, on Bah, vous s'amuse quoi. profitez Ouais, comme on deux jeunes s'amuse. filles qui ont la vingtaine, quoi. En même Exactement. temps, t'as pas 40 ans et Ah trois oui, non, gosses à c'est sûr. De t'occuper toute à la façon, même baraque, en quoi. couple, moi, je suis quelqu'un qui adore sortir, donc d'autant plus célibataire, quoi. Ouais. Et ça faisait partie des choses que t'avais mis un peu en stand-by quand t'étais en couple ou. Oui, forcément, tu sors pas autant quand t'es en couple que quand t'es célibataire. Oui, je me, enfin, je me restreignais. Ouais. Ouais, je me Ouais, restreignais ouais. un petit peu. Je sortais tout le temps avec mes copines et tout parce que j'ai besoin de ça, mais c'est vrai que je sortais pas autant que si j'étais Ouais. célibataire, quoi. Après, je trouve que ça, c'est juste du respect vis-à-vis de lui et lui, pareil. Oui, non, Bah mais lui, il c'est fait que clair. sortir aussi, hein. Oui, bah, il profite Il profite, maintenant. après c'est mes choix, donc je peux pas lui en vouloir, mais c'est vrai que ouais, de voir qu'il sort, qu'il s'amuse, qu'il arrive à rencontrer du monde, ça fait mal, mais c'est mes choix. Ouais, parce que de toute façon, toi aussi, d'un côté, tu sors, tu t'amuses et tu rencontres, C'est donc ça, je peux pas lui en finalement, vouloir à lui oui, c'est de faire clair. ça. Après moi là, je suis pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un pour me poser. Là pour l'instant, j'arrive vraiment pas à parler à des gens en m'imaginant être en couple et tout, là vraiment c'est. Pour l'instant, il faut du temps pour Ah toi, quoi. oui, il En faut du vrai, temps pour moi là, vraiment. t'as Après beaucoup c'est. donné dans cette relation, quoi, au Ouais, final. là je pourrais pas redonner tout de suite à un mec. Non, non, vraiment pas là. J'ai pas envie de me poser. Tu te sens, si tu devais un peu te donner, en termes de délai. Bah, je pense que c'est une question de moi, peut-être 3 mois. Ouais. Tu vas Enfin, pour me profiter reposer, je sais pas en fait. 3 mois, 4 mois, j'en sais rien. Après, pour reparler à quelqu'un, c'est différent. Ouais. Si on vient me draguer, que je me sens bien, que je me sens en adéquation avec moi-même, avec mes choix et tout, je pourrais rentrer dans le jeu et tout. Mais après, dès qu'il s'agit de sérieux, de se parler tous les jours, de se voir, de faire des trucs de couple et tout, ça, Stop, vraiment, pas stop, du tout, stop, genre. stop, pas maintenant. Laissez-moi tranquille là. Et alors, aujourd'hui, c'est quoi tes envies? Est-ce que tu as envie de télé, par exemple? On a vu qu'il y avait les 50 Ouais. qui ont été tournées. Donc, peut-être que si ta rupture avait eu lieu plus tôt. Plutôt peut-être que j'aurais pu Hein? intégrer les 50, ouais, c'est vrai. Bah moi je suis ouverte à refaire d'autres télés, hein. Comme j'ai dit, vraiment j'ai kiffé mon expérience et tout, donc moi d'autres télés avec plaisir, hein, franchement. En plus les 50 c'est vraiment un truc où c'est plus un jeu que les sentiments, donc oui, d'autant plus les 50, ouais. Les 50, les apprentis, ce genre de choses, ouais. Et par exemple, sur les apprentis, si on te mettait en binôme avec Jarod, tu craindrais, tu te dirais quoi? Bah, j'aurais trop peur que ce soit explosif parce que lui, du coup, il serait célibataire, moi je serais célibataire. Ça veut dire que lui, il pourrait potentiellement draguer des filles devant moi, draguer des mecs devant lui. Là, ça serait la guerre parce que lui, il est quand même jaloux aussi. Hein, donc, D'accord. ouais, je pense que ce serait un peu la guerre, la guéguerre. Mais bon, après, ça Ça peut pourrait être animer quoi, sympa. ouais, En ça peut termes de télé, animer ça peut la être télé, bien. ça c'est sûr, ouais. Mais ça risque d'être explosif entre nous deux, par contre. Ça Ouais. va être un peu chaotique quoi. C'est un peu ta crainte de le retrouver sur un tournage? Ouais, honnêtement, Ouais. ouais, parce que moi je sais que là je l'ai jamais vu en sortie proche avec des filles ou quoi, mais si je vois ça, je pense que même si c'est mes choix de plus être avec lui,
Ça, c'est vraiment un truc qui me ferait péter un câble. D'accord. Ah ouais, vraiment. Donc là, pour l'instant, vous êtes, hormis la lumière qu'il est venu changer, finalement, ouais. Zéro contact, quoi. Non, pas de contact. De temps en temps, on s'appelle pour dire ça va, mais vraiment, je ne sais pas ce qu'il fait. Avant, j'avais sa localisation et je m'étais dit, à partir du moment où il m'enlève sa localisation, c'est bon, c'est fini. Genre, c'est fini. Et là, j'ai plus sa loc. Je ne sais plus où il sort. Je ne sais plus avec qui il sort. Ça y est. Et sur les réseaux, vous continuez de vous suivre non, ou il m'a bloqué. Ah, d'accord. Il y a visiblement des choses à cacher. Oui, ouais, il m'a bloqué, je sais pas. Peut-être il veut plus voir mes stories parce que ça lui fait trop de mal. Oui, c'est pour possible m'oublier aussi. Mais ouais, du coup, je vois plus ce qu'il fait. J'ai un faux compte, des fois, je le piste, j'avoue. C'est pas vrai. Non. J'ai un faux compte. Ouais, ok, d'accord. Du coup, de temps en temps, je regarde ses stories, mais j'essaye le moins possible de regarder parce que je sais que ça va me faire trop de mal. Sinon. Ouais, ça te fait encore mal. Bah pas mal, mais j'aime pas me dire qu'il rencontre des filles et tout, je sais pas, je préfère pas savoir en fait. Ouais. Du coup, bah, le faux compte, je le prends de temps en temps pour regarder, mais j'essaye au minimum de regarder. D'accord, une fois par semaine. Ouais, voilà, hein, le quota. Peut-être ça passera une fois toutes les deux semaines, je sais pas. On réfléchit. Je réfléchis encore. Elle est encore un petit peu accro, il faut sa petite dose de Jarod quand même. À travers les écrans, c'est tout. Et comment tu réagis en fait quand les gens viennent te parler d'eux? Parce que comme tu t'étais pas exprimé encore, ça doit être compliqué aussi médiatiquement parlant. Bah, dès qu'on vient m'en parler à l'oral, en vrai, je réponds honnêtement aux questions. Je dis on n'est plus ensemble, voilà, lui et moi c'est terminé. Je raconte brièvement ce qui s'est passé, je rentre pas dans les détails et tout, mais oui, je dis la vérité complètement. Oui, parce que ça doit pas être évident en fait, parce que une fois que quand tu as une rupture déjà, quand tu es seule, tu dois l'expliquer à tes amis, mais là, tu dois en plus l'expliquer à toute la communauté, France. Ouais, non, clairement. Mais oui, je dis la vérité quand on vient me poser des questions. Après, j'avoue que sur Instagram, j'avais pas trop parlé parce que j'avais pas envie qu'on fasse des screens, qu'on envoie que ci, que ça. Mais dès que c'était en vrai, je répondais honnêtement aux questions. D'accord, je dis directement, je suis plus avec Jarod. Oui, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Voilà. Ouais, mais au moins maintenant, bah, grâce maintenant, à cette vidéo. Maintenant, tout le monde sera au courant de ce qui s'est réellement passé. Et tout voilà, aura été dit. Ce sera plus clair pour tout le monde. Et alors maintenant, tes projets? Mes projets, alors bah moi je fais du mannequinat, j'en faisais déjà même avant, donc je vais continuer dans le mannequinat, je vais essayer de me concentrer un petit peu plus sur ça aussi. On le voit, tu shootes beaucoup en ce moment, en story, je fais ça n'arrête pas. De shooting et tout, donc voilà, je veux reprendre le mannequinat. Bah moi je travaille en pharmacie aussi à côté, donc partiellement aussi en pharmacie, et me concentrer vraiment sur moi, sur mes projets de mannequinat, voyager, faire des sous. Et c'est compliqué d'avoir une, quand t'es une personnalité entre guillemets de télé, de continuer à avoir une vie entre guillemets normale, avoir un travail et tout. Parce oui que avant, quand tu faisais de la télé, tu faisais des placements de produits et c'était réglé. Tu gagnais ta vie ça, complètement autrement. Exactement. Tandis que là, aujourd'hui, non. Les placements, c'est fini. Ouais. On peut en faire un petit peu, mais c'est pas ce qui va c'est nous faire gagner notre vie. Quoi. Ouais, voilà, c'est en complément, on va dire. Non, c'est pas trop difficile. Alors, des fois, il y a des gens qui me reconnaissent à la pharmacie. C'est un peu gênant pour moi parce que c'est un milieu pharmacie, télé-réalité. C'est un milieu qui n'a rien à voir, en fait. Donc, des fois, on me demande des photos et tout. Au comptoir, je suis là avec ma blouse, mes petites ordonnances et tout. Mais après, les gens, ils sont tellement gentils et tout que moi, ça me dérange pas. Même s'ils me demandent des photos quand je suis à la pharmacie et tout, ça me dérange pas du tout. D'accord. Mais après, non, ça impacte pas plus que ça, en vrai. D'accord. Juste à part que les gens, ils nous reconnaissent dans la rue, ils nous demandent des photos et tout, mais non, ça... Bon, après, t'as eu une bonne image aussi. T'as pas eu un côté sulfureux, t'as toujours été très honnête et compagnie. Surtout même par rapport au mannequinat, parce que c'est vrai que le mannequinat et la télé-réalité, des fois, ça peut un peu... Enfin, ça n'a pas trop de rapport. Et puis même, je sais que des fois, il y a certaines marques dans le mannequinat qui acceptent pas être associées. Après, j'ai fait qu'une télé, c'est l'île de la tentation. Mais des fois, on dirait pour certaines marques que j'ai fait du porno, quoi. Oui, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu... c'est vrai que ça m'a freiné sur quelques contrats. Mais après, j'arrive toujours à faire du mannequinat. Donc bon, ça m'a ouvert d'autres portes et ça m'en a fermé certaines. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, tu es encore en contact avec des gens de Lille. Bon, bah Kelly, Maëva, mais... Lydia. Ouais, Lydia tout le temps. Enfin, tout le temps, on s'appelle. Dès qu'il y a du nouveau, on se cale un moment pour s'appeler, pour se raconter. D'accord. Là, je sais qu'elle est aux 50. Ça, par contre, je ne savais pas, Elle fait les 50, mais elle est trop bien. Je suis trop contente pour elle. En vrai, Lydia, moi, je me suis trop bien entendue avec elle. Salomé, peut-être un peu moins. Je crois qu'elle était en tournage. Je suis pas sûre, mais il me semble qu'elle était en tournage. Donc mais on a l'impression que Salomé, ça a été compliqué un peu avec vous à la fin parce que elle était plus dans. Elle avait sa vérité, il y avait votre vérité. Les deux n'allaient pas ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Bah après, là-bas, à l'île de la tentation, on s'entendait super bien et pas de souci. On a vraiment une bonne cohésion entre nous toutes. Mais moi, c'est peut-être celle à qui j'ai le moins donné de nouvelles et celle à qui j'ai le moins reçu de nouvelles. Ouais. On se parle jamais, en fait. D'accord, ok. Bah oui, mais parce qu'il y avait aussi cette histoire de... Elle était en couple avec Timothy, mais sur les réseaux, elle annonçait qu'elle était célibataire. Ouais, voilà, mais donc, actuellement, je sais toujours pas où elle en est avec D'accord, Timothy. Ok. Ouais, j'en sais rien. Elle est
Enfin, elle ne nous en dit pas plus non plus. Je ne sais pas avec les autres filles, mais en tout cas, moi, j'en sais pas plus non plus. Donc, bon, je la laisse faire sa vie. Et chez les tentateurs, t'as encore des contacts avec les garçons, ouais, Dylan? Toujours. Ouais. Ouais. Dylan, oui, parce qu'on se croise, on habite, on sort dans les mêmes endroits et tout. Maz aussi, que je croise souvent. Samy. Les trois, bah ça, c'est les trois vraiment que je croise tout le temps. Ah si, il y a Elliot aussi. D'accord, Elliot, ok. J'avais fait un défilé avec lui. Ah ouais? Ouais. Et Elliot, on l'a très peu vu. C'était ouais, on l'a très le peu petit vu, blond ouais. de l'île de le la petit Tentation. Blondinet mais... qui fait sa petite C'est vie ça, quoi. Tranquille. Ouais, non, c'est vrai que lui, il était hyper discret. Bah, je pense qu'il est discret aussi dans la vie de tous les jours. Mais c'est quelqu'un d'adorable, vraiment trop gentil. Et bah voilà, eux, hein, après c'est tout. D'accord. Ouais, après, Brian, si Brian, de temps en temps, on s'écrit sur Insta. Mais voilà. Et alors, finalement, faire l'île de la Tentation, tous ces changements, est-ce que tu t'y attendais à cette nouvelle exposition, à cette, entre guillemets, nouvelle vie et à bah, tes Ouais. responsabilités, entre guillemets? Oui, je m'y attendais. Je Ouais. savais qu'en faisant l'île de la Tentation, j'allais devoir des comptes après aux gens qui nous regardent, s'ils avaient suivi notre couple, qui s'étaient un peu attachés au personnage. Je savais que j'allais automatiquement devoir rendre des comptes, on allait me poser des questions par rapport à notre couple, comment ça va, surtout les personnes qui allaient nous suivre. Je m'en doutais, oui. Et tu t'attendais à ça finalement quand tu t'es lancé dans l'île, au fait que bah ça faisait quoi, 6 mois après avec Jarod, ce soit fini? Ah non, pas du tout, oh là Non. là, mais pas du tout. Moi, je me suis dit, surtout en sortant de Lille, vu comment ça nous avait renforcés émotionnellement parlant, je me suis dit, mais là, on va rester toute notre vie ensemble. Enfin, on s'aimait tellement en sortant de là, ça nous avait vraiment soudés. Bon, il y avait eu des chamailleries et tout, mais on s'était tellement rendu compte à quel point on s'aimait en sortant de là que je m'étais dit, mais je vais finir ma vie avec lui, quoi, Ouais, vraiment. bah oui. Et au final, pas du tout, je m'attendais pas à ça. Enfin, et encore moins, je pensais que ça allait être un problème comme ça qui allait nous séparer, quoi. Oui, parce que finalement, ce problème, il était déjà sous-jacent en Ouais, il vrai. était déjà là en vrai, mais c'est juste que je ne me rendais pas forcément compte et que je pensais que ça allait s'arranger, mais ça a pris beaucoup trop de place. Ça a même joué sur mes sentiments, il y avait quand même moins d'intérêt pour lui et tout, même si je l'aimais encore, j'avais plus envie de faire d'efforts, même moi de mon côté par rapport à ça. Donc je pensais vraiment pas en arriver là. Au bout de ouais, 6 mois après Lille, je pensais vraiment pas qu'on allait en arriver là, quoi. Ouais, c'était un peu Ah non, pas du la tout. surprise du truc, quoi. Ah oui, de ouf, complètement. Ah ouais. Mais tu penses qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que... Ouais, en vrai, il y en a eu un. C'est vrai que on est sorti une fois en boîte à Monaco. Et donc moi, je suis sortie avec mes copines, il y avait Kelly et tout. Et Jarod devait venir, il s'était engagé à venir nous chercher après la boîte, donc il était censé pas boire et tout. Et en fait, quand il est venu, il avait un petit peu bu. Il est venu 3 heures en retard. J'ai fait attendre toutes mes copines et tout. Enfin bref, ça m'a D'accord. foutu trop la honte, quoi. Puis même, je me dis, enfin, moi j'ai besoin d'un homme quand on se donne rendez-vous. Tu sais que je suis dans la rue en train de t'attendre ou en Ouais. boîte, on s'est donné rendez-vous. Après, t'as 1 heure, 2 heures de retard, toi aussi tu as le droit de faire ta soirée, pas de souci. Mais là, t'es venu à 5 heures du matin alors qu'on s'était donné rendez-vous à 3 heures. Enfin, ça m'avait fait péter un câble. Et de là, on a commencé à s'embrouiller dans la voiture devant tout le monde. Il y avait Kelly, une copine à Kelly, il y avait ma sœur. On a commencé à s'embrouiller, mais vraiment, moi je parle un peu mal, j'avoue. Enfin, je l'insulte pas, mais c'est vrai que je lâche des ta gueule. Voilà, Ouais, genre. ok. Je suis pas très sympa dans mes paroles et du coup bah lui non plus quand je commence à faire ça donc on se criait dessus et tout, c'était la honte et j'ai dit bon bah tu sais quoi, si t'es pas même pas capable de venir me chercher, bah c'est fini entre nous et tout. Et c'est vraiment l'élément déclencheur. Et c'est là où je me suis D'accord. dit, bah tu sais quoi, là tu lui as dit, bah profites-en pour lui dire en fait réellement quelles sont les raisons, quoi. Mais c'est vrai que c'était l'élément déclencheur, c'était une embrouille pas anodine parce que c'était quand même une embrouille assez forte, mais c'est cette embrouille-là qui a déclenché tout le reste. Ouais, mais c'est drôle que ce soit un truc Qui a pas de qui rapport. avait pas de Ouais. rapport, quoi, on Qui est n'a pas de rapport d'accord. avec la raison Donc, de base. Ouais. c'est drôle, ça, Ben, en fait, il y avait aussi tellement d'embrouilles, on était tellement, enfin, on se prenait tellement tout le temps la tête du fait que moi, j'arrivais plus à faire d'efforts, à aller vers lui et tout, que c'était l'embrouille de trop. Ouais, Genre, d'accord. vraiment, l'embrouille de trop, c'était une accumulation de plein de choses, en fait. Enfin, le fait que moi, j'avais plus d'intérêt pour cette relation, ben, du coup, ça a engendré plein de problèmes à côté, quoi. Ouais, bah comme tu le disais, si déjà il n'y avait plus l'alchimie, même Ouais, c'est physiquement, ça en après, fait. si vous Bah étiez oui. juste coloc à la maison, Bah oui, c'est ça du en coup, fait. tu te dis que même Ouais. en tant que pote, tu peux pas compter dessus le Clairement. jour où il faut venir te chercher, Clairement, quoi. exactement, c'était ça. Donc c'était vraiment ouais, le petit truc qui m'a dit, bah vas-y, c'est bon, c'est maintenant ou jamais. Ok, d'accord. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on te souhaite? Maintenant, on me souhaite du bonheur, d'avoir une vie saine, de retrouver un mec stable. Ok. Bon, pas tout de suite, Pas tout de mais pour la suite. suite, je veux un mec stable, fidèle par contre, Ah. ça, Bah, pitié. Jarod, ça, Jarod, là-dessus, il on est était d'accord fidèle, que t'as pas ouais, pu lui mais reprocher. continuer sur des mecs fidèles. D'accord, ok. Bon, après moi, ça marche beaucoup au feeling aussi, Ouais. donc bon, le physique, ça compte énormément pour moi, autant que le feeling, mais c'est vrai que s'il y a un feeling, ça peut
rajouter un truc. Ouais, ça peut être un mec qui n'est pas du tout dans tes critères de base, départ. Ouais, mais il faut quand même que je le trouve beau. Hein. Oui, ouais, il y a un minimum. Si tu te ramènes Quasimodo, même avec un feeling. Non, mais si tu me ramènes un mec simple que je trouve juste normal, ça risque de coincer. Moi, il faut vraiment que je le trouve beau, genre. D'accord, ouais. Ok, ça marche. Mais le mental, c'est important aussi. Voilà, donc, ayez le full package, sinon ça sera compliqué. La meuf hyper exigeante. Bon ben voilà les langues de vibe, j'espère que cet entretien vous aura plu, que vous avez les réponses à toutes vos questions. Merci beaucoup Chloé, merci franchement, pour ta franchise, ton honnêteté. Oui, toujours. Maintenant on a répondu aux questions de tout le monde, je pense. Je pense que là c'est clair dans vos têtes, s'il y a d'autres questions n'hésitez pas, voilà. Je reviendrai parce que maintenant c'est tous les mois. Voilà, exactement, on reprend rendez-vous pour la rentrée, exactement. On fera ton bilan de l'été. Pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que tout a été dit Je pense que là, c'est clair pour moi. Ok, j'ai parfait. J'ai plus de salive, donc je pense qu'on est bon. On est bon, parfait. Donc, les langues de vibe, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Naturellement, vous partagez cette interview parce que là, elle était full révélation. Vous likez, vous vous abonnez, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et vous zappez pas parce que juste après, il y a une interview, une autre qui arrive. Ciao, ciao. Bisous tout le monde.